Allez, viens avec nous, on s'en fait une course de cheval. Mais le mien, il est tout raplaplat, il veut pas bouger. C'est pas juste, Belle. Oh bah tant pis. Bon, allez, moi, je vais aller lire. Sympa, hein. T'inquiète pas, je vais te faire un peu de guitare et te chanter une chanson. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous fais une overview Disney Mini Animators avec la poupée Réponse ou Rapunzel in English. Alors voici la boîte, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller sur ma chaîne voir les autres reviews Disney Animators. Voilà voilà, alors je vais vous montrer la boîte de plus près. Alors bien entendu la boîte est toujours en forme de valise avec une anse qui est pailletée. On a de jolis motifs hein, dessus, c'est vraiment trop beau parce qu'on a un soleil ici, avec des petits ornements. Alors une étiquette ici, donc Animators Collection Rapunzel Mini Doll Playset. À l'intérieur nous avons ici un chevalet avec une peinture, un tableau qu'elle a fait, qu'elle a peint. Regardez, hop. Et en fait ils disent insérer des œuvres d'art dans le chevalet Rapunzel. Alors je pense qu'il y a plusieurs œuvres d'art dedans. Voilà, donc sinon à l'arrière c'est simple, et sur le devant, regardez le logo de Disney Animators qui est en fait en relief. Donc je vais ouvrir cette petite valise et vous montrer. Alors, hop, voilà, donc ça s'ouvre comme cela, c'est simple. Alors là, j'aurais besoin d'une paire de ciseaux. Assistant, s'il vous plaît. Merci, merci. Allez, on y va. Donc là, on a le fond à retirer. Ils ont mis du scotch partout. Non, mais vraiment partout. Et hop. Voilà, j'ai retiré les éléments. Il y en a vraiment pas mal. C'est super. Voilà. Alors, j'ai commencé par vous montrer la petite brosse qui est dorée. Alors, on a des jolis ornements sur le devant de la brosse. Ensuite, on a un pinceau avec une palette de couleurs. Alors, le pinceau, on a une petite poignée pour lui mettre dans la main. Et la palette avec plusieurs couleurs dessus. C'est super bien fait. Ensuite, le chevalet. Alors, il est vraiment très bien parce que, regardez, hop, ça se retire. Bon, ça se remet facilement, enfin, je pense. Voilà. Et en fait, on peut changer la peinture. En fait, on en a deux. Alors, voici la première peinture. Voilà, donc ça représente, je pense, assez dessiné, hein, Réponse, en train de lire. Et c'est une autre réponse, voilà, qui a l'air joviale, tout ça, avec des oiseaux. Non, c'est très joli. On va en choisir une. Honnêtement, je préfère le vert, donc je vais mettre la verte. Bon, ben, sinon, voici le chevalet. Donc ça se met facilement, hein, sinon. Hop, regardez, il y a une fente, on met, et voilà. Alors on va passer à son compagnon, le petit Pascal, le caméléon, qui est adorable. Regardez-moi cette frimousse. Alors, il est légèrement pailleté. Enfin, si, il est bien pailleté quand même. J'aime bien les animaux pailletés. Il y en a qui n'aiment pas trop, mais moi, j'adore. Regardez-moi cette tête. Voilà, il est trop mignon. Je l'adore. Alors, le cheval. Il a une tête trop drôle, regardez-le. Et il sonne creux. Voilà, il est tout pailleté aussi. Il a une selle. Voilà. Et il est vraiment trop mignon. Regardez-moi cette frimousse. Il est assez léger hein, quand même. Ah oui, il est creux, regardez. Ça fait penser aux jouets pour chiens.
Enfin, on va passer à la pièce principale, la poupée Réponse. Bon, elle a les cheveux attachés, hein. Je devrais lui retirer, je pense. Pour vous montrer un petit peu. Hop, j'aime pas les cheveux attachés comme ça. Voilà, donc des beaux cheveux longs, très longs. On a la forme des élastiques, ce qui est dommage. Bon, ça va partir. Alors, je vais vous montrer son visage. Regardez les beaux yeux verts. Regardez-moi cette frimousse. Donc, elle ressemble vraiment à l'animator's normal, hein, le visage. Avec son petit air sérieux quand même, je trouve. Limite, elle fait un peu la tête. Une petite moue, en fait, boudeuse. Alors, les cheveux sont de très bonne qualité, hein, moi, je trouve, hein, malgré leur petite taille. Ils sont doux, ils sont épais, et ça rend bien. C'est très bien. Donc, articulé, hein, niveau du cou. Voilà. Alors, sa petite chemise de nuit. Enfin, sa robe. Ça fait penser à une chemise de nuit, mais c'est une robe. Alors, ici, on a des petits lacets roses. Une petite ceinture... ici, en ruban. Elle est pailletée, sa robe. Voilà, elle n'a pas de chaussures, comme dans le dessin animé. Elle est articulée au niveau des épaules, mais pas des coudes et des mains. Voilà. Par contre, elle est articulée au niveau des cuisses, genoux. Voilà. Elle a une petite guitare, très belle. J'aime beaucoup sa guitare. Voilà, voilà. Alors, que pensez-vous de cette poupée? Mettez-le en commentaire. Quel est votre préféré Mini Animators? Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur ma page TE2 Production sur Facebook ou Instagram ou Twitter pour voir plus de photos et d'informations. Moi, je vous retrouve prochainement pour une review Disney. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Salut!